Satisfait par la prestation d'ensemble, par le fait qu'on ait très peu laissé l'occasion à Anderlecht. Je pense qu'ils en ont eu une en deuxième mi-temps face à face, que Sinan sort bien et peut-être une en première mi-temps. Pour le reste, je pense qu'on n'a rien concédé. Par contre, hormis deux occasions en première mi-temps, on a trois belles presque coup sur coup avec des face à face et auto justifie le fait qu'il est cette saison le meilleur joueur d'Anderlecht. Malheureusement, bon, que ce soit en termes de choix, en termes d'efficacité, ben on a failli, ou on avait failli aussi le dernier match, même si les matchs ne sont pas comparables. Mais pour le reste, non, je suis content de la prestation d'ensemble parce qu'on a prouvé aujourd'hui que par rapport à ce qu'on a montré le match précédent, ou disons ce que tout le monde a vu, qu'on restait un groupe solide et qu'à domicile, voilà, on savait être consistant. On a été bon défensivement, on a été bon offensivement. Et je pense que dans le jeu, par moments, c'était pas mal du tout. Bah, ça s'explique aussi par le fait, évidemment, qu'on n'a plus de solution offensive. Dès le moment où le secteur offensif est un peu plus fourni, notamment la deuxième ligne avec Seyas et avec Gonzalez. Je pense que si Nacho avait pu tenir ce niveau sans ses contretemps, je pense qu'on aura encore vu un autre standard.